Bonjour, amateurs de boxe. Mon nom est Gary Doston. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2011. Il est 17h en direct des studios de production G Doston 1 Channel Sport Box qui vous parvient du canton L'Angelier, ville de Latuc, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Amateurs de boxe, j'ai retardé mon commentaire parce que je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu samedi soir dernier au Colisée Pepsi de Québec. Et bien voici pourquoi. J'ai vu le combat. Je m'excuse. J'ai vu un entraînement de Lucien Bouté contre Glenn Johnson. Ça n'a jamais été un combat. Si Bouté avait voulu, il aurait passé le KO dès la première ronde. Et dans tous les rondes, de 1 à 12, ça veut dire que Lucien a gagné tous les rondes, ça veut dire que c'est une carte de 120-108. En aucun temps, Lucien n'a fait aucune charge continue contre Johnson. Regardez, vous verrez. Johnson n'a jamais été d'autre chose pour Lucien qu'un grand-père. Qui ne voulait pas lui faire mal. Il ne l'a même pas fait souffrir. Même une personne qui souffre de myopsie peut voir cela. Bouté voulait tout simplement gagner par décision pour ne pas effrayer Carl Froch ou André Ward qui s'affrontera dans la finale du Super Six Tournament du réseau américain Showtime Boxing le 17 décembre prochain. J'avais surestimé Glenn Johnson qui avait perdu contre Carl Froch dans ce même tournoi du Super Six l'été dernier par décision. Maintenant, je crois que Carl Froch ou André Ward ne sont pas de la même classe que Lucien Bouté. La surenchère en ce moment du promoteur Michael Kessler, un combat à 10 millions, n'a pour but que de déstabiliser Sportscene et Jean Bédard pour les amener dans un labyrinthe financier sans issue. J'espère que M. Bédard et Sportscene ne tomberont pas dans le piège du 10 millions du promoteur de Michael Kessler. C'est Bouté qui est le point d'attraction mondial et Kessler n'est qu'un who. Et pour terminer, Pierre-Olivier Côté, il n'y a pas de description de son combat contre Terron la sous-carte. C'est tout simplement a walk in the park. Et sur ça, amateurs de boxe, je vous dis à la prochaine. Mon nom est Gary Doston, en direct des studios de production G Doston 1 Channel Sport Box. Qui vous parvient du canton L'Angelier, ville de Latuc, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Je vous dis au revoir et à la prochaine.